Bon après-midi tout le monde. Me voilà près de la rivière Arnold. J'ai décidé de venir profiter de la belle température. Aujourd'hui, il annonce 5. Il doit faire 5 parce que là, ça fond. J'ai décidé d'aller camper dans la zec du Mont Gosford, au camping de la rivière Arnold. Fait que là, j'en ai profité pour sortir mon petit traîneau. Il est là, ouais. J'étais en train d'expérimenter ça, cette nouvelle manière de traîner du stock-là, parce que là, je suis allé vraiment de luxe. J'ai traîné un paquet d'affaires que j'emmènerais jamais en randonnée normale, parce que j'aurais à le porter, tandis que là, j'ai décidé de transférer le poids dans mon traîneau au lieu de l'avoir sur les épaules. Sauf que j'en ai mis plus que d'habitude à cause de ça. Je le sens un peu, je fais rien que partir là, comme c'est là, puis je le sens. Là. C'est peut-être parce que la neige est collante, là. Mais tu sais, ça tire un petit peu à chaque fois que j'avance. Ça fait que j'ai hâte de voir si je vais aimer ça. J'ai une randonnée de 6 km à faire. Ça devrait quand même aller assez bien, compte tenu qu'on remonte la rivière, le sentier. Je l'ai fait quand j'ai fait le EBR 2022. C'est pas très forçant. Peu sinueux. Ça fait que tu sais, je pense que ça va bien se manœuvrer, ce petit traîneau-là, là, avec les petits poteaux là, que j'ai accrochés après mon sac. Ça fait que... J'ai hâte de voir, là, je suis sur mes premiers centaines de mètres, ouais. Puis à date, là, c'est pas si pire. Mais c'est vrai, je le sens, là, j'en ai mis trop pour rien, mais je voulais me gâter. J'ai un nouveau réchaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai emmené ma pelle que j'emmène jamais quand je fais de la randonnée, là, à part si je fais du bushcraft, je vais traîner ma pelle, là. Mais là, de la randonnée, jamais qu'on emmène ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah, je vais traîner... une vraie tente d'hiver, là, qui est plus lourde un peu parce que c'est fait pour accumuler de la neige. Je veux cuisiner, ça fait que je me suis emmené un petit déjeuner, genre avec une petite poêlonne puis un petit chaudron. D'autres choses. Mon pyjama avec un t-shirt en coton puis tout parce que j'ai goût de chiller dans ma tente, là, à soir, là. Fait que, ouais, je vais vous laisser, de toute façon, il y a des autos qui s'en viennent, là. Fait qu'on va se recroiser dans le sentier un petit peu plus tard. Ça prend pas un gros moton pour que ça va de côté, cette affaire-là. Puis je suis comme pogné pour me détacher à chaque fois parce que le mec, les épaules sont placées en X. J'essaie des fois de redresser en forçant sur un bord, mais ça fait que ça pousse sur l'autre. Puis là, ça travaille tout croche. Fait que ça exerce la patience. Bon, au moins, il fait beau aujourd'hui. Là, il fait vraiment chaud. Le soleil est assez incroyable. Tout à l'heure, j'étais allé filmer un petit peu sur le bord de la rivière, puis juste être dans le fond, là, au gros soleil. Hey, on sent que ça chauffe, le printemps, il approche. Même, on est-tu dedans, là? On est quoi, là? On est le 22. Ça fait que d'après moi, on doit être rendu au printemps, là. On est vraiment dedans. Fait que, heureusement, c'est pas une grosse randonnée, là. 6 km, là, vu que c'est planche, ça fait quand même assez bien. Je vais pas être trop loin de mon camping. Là, il est rendu 3h moins quart. Pas si pire, là, mais c'est ça. Ça exerce ma patience, cette affaire-là. Là. Ouais. Je suis sur le fameux pont à Berthaud, puis là, je voulais vous montrer que la largeur de mon traîneau est juste parfaite. Ça passe bien, mais là, il y a un croche un petit peu serré ici, cette affaire, pour aller rejoindre l'autre section. Je suis pas sûr que ça va passer. J'ai bien l'impression que ça risque de revirer encore sur le côté. Ouais. Les joies du métier. Ça a passé. Ah, on est arrivé. Voilà une forme de plateforme. Il y a un signe qui est encore plus évident. Une table de pique-nique. J'ai vu un petit peu plus loin qu'il y avait une toilette sèche. Puis un carré à bois qui est vide.
parce qu'on peut se faire des petits feux ici. Il va falloir que je cours un peu ce qui traîne dans le bois, là, mais c'est pas tant évident parce que tout le monde qui arrive ici nettoie le sous-bois, ça fait qu'il reste pas grand-chose. Mais je vais aller chercher mon traîneau. Je suis allé marcher un petit peu justement parce que c'est pas évident. C'est marqué que le camping est là, mais avec la neige, il n'y a pas personne qui vient ici, puis il n'y a comme pas de traces. Il y a juste la table qui nous dit que c'est ici. Fait que je m'en vais chercher mes affaires, puis je pense qu'on va monter le camp, là. Direct sur cette plateforme-là, on va taper ça, puis on va installer la tente. Ouais, ben ça fait du bien. Je pense qu'on va prendre ma petite tisane puis je vais aller explorer un peu les alentours. Justement, la rivière est juste à côté, là, elle est à peu près à 50 pieds. Je vais aller voir comment elle est dégelée, puis c'est le fun. Au moins, une rivière, ça nous permet d'avoir de l'eau en quantité, de belle qualité. Pas besoin de faire fondre de la neige, fait que c'est plus économique là, pour le réchaud. Fait qu'on va aller voir ça. Ah, ça fait du bien. Ça replace les affaires, comme on dit. Ouais, ben je suis sûr que mon beau-père, il doit faire la même affaire que moi à l'heure qu'il est là. Il doit profiter du soleil. Mais lui, il est dans le sud. Ah, c'est drôle quand même quand on pense à ça. Mais je suis sûr, ce qu'il n'y a pas dans le sud, c'est du bon sapin pour se faire la tisane. Ah, je me trouve chanceux pour ça. C'est vraiment chaud, là. Je me suis emmené trop de stock, là. Je pensais que c'est le bord de la rivière qui fait frette, là. Qui ferait frette. Je vais emmener ma tuque. J'ai mis 2-3 épaisseurs. Là, j'ai tout ouvert ça. Ça fait un peu de ma petite randonnée, là. Il a fait chaud, malgré tout. Malgré qu'on était en sous-bois et que ça avait enlevé pas mal de ce que j'avais, à part que j'avais pas pu me mettre en t-shirt à un moment donné, là. Il y a des limites. C'est quand même c'est un peu physique, là. Pas tant que ça au niveau cardio, là, mais c'est les jambes. Puis, c'est ça. L'hiver, c'est tout le temps un petit peu plus difficile, surtout quand on traîne du stock. Puis, ouais. Traîneau, là, le design n'est pas tout à fait parfait. Là. Ça a aiguisé un peu ma patience. Averse. Une fois de temps en temps, il faut arrêter, il faut que je me détache, il faut que je fasse du bord. En plus, quelques nœuds qui retenaient mes mousquetons qui ont lâché. Il a fallu que je répare ça sur le champ. Ouais. Fait que j'avais hâte d'arriver, là. Ouais. Mais là, c'est qu'on est installé, là, que surtout qu'on est vraiment bien. Pas de nuages dans le ciel. Annonce de pluie demain. J'espère qu'elle va arriver tard, là. Ça me tente pas de me lever. Mettre à pleuvoir puis je me ramasse à décamper sous la pluie. Ouais, ça, moi que je me suis traîné un beau petit déjeuner pour justement en profiter. Parce que j'espère qu'il n'y aura pas de pluie demain matin. Ça va aller plus dans l'après-midi, j'espère. Puis j'ai espérance, ouais. Je vis d'espérance. Voilà. Moi, en attendant, je pense que je vais profiter de la petite rivière que là. Puis de ma petite tisane. Chaque chose en son temps, comme on dit.
On l'avait presque. Oh, yes. Ben, vous l'avez vu là, hey, c'est rare que je me fasse des beaux feux de même aussi intenses. Ce qui marche bien justement, c'est pour ça que la flamme est forte de même, c'est parce que c'est du bois mou, ça fait que ça pogne vite, c'est fort, mais ça t'offre pas longtemps, ça fait qu'il faut l'alimenter régulièrement. Ben, moi, ben je pense que on va m'en faire une autre petite tisane. Comme d'habitude, c'est mon classique, puis là, l'heure avance, fait que je vais pouvoir commencer mon souper en plus. Fait que je vais pouvoir me tenir sur le bord du feu là, une partie de la soirée, ça va être le fun. Là. Parce que l'hiver, c'est ça, en même temps, ça nous réchauffe, ça l'amène un sentiment de sécurité, le feu. Là. Fait que ça m'aurait manqué à soir de ne pas pouvoir en faire un. Mais là, c'est l'heure de la tisane. Encore. Bon matin tout le monde. Là, un matin, c'est l'heure de se ramasser. Je sais pas s'il pleut. Je vois sur ma tente là, qu'il y a des petites gouttes. Là, je vais évaluer ça quand je vais sortir dehors, là, comment je me sens par rapport à ça. Là. Puis si je fais juste ramasser mes affaires, puis je m'en vais. Ou je déjeune. Parce que là, il vente en plus. Fait que... S'il faut qu'il pleuve à travers ça, là, pouf. Je vais aller déjeuner à la maison à la place. Fait que là, je suis en train de réchauffer mon linge là, dans mon sleeping. Là. J'ai ma tuxedo, j'ai ma doudoune, j'ai mon bas de. Mon bas, dans le fond, ma combinaison. Ouais, ma combine, comme on dit dans le bon, en bon québécois. Parce que là, on est tellement bien, c'est bol, ça me tente pas trop de sortir du sleeping. Quand il fait un petit peu froid, là. L'hiver, c'est ça, par exemple. Là. On a bien beau avoir un bon sleeping. On a chaud dans le sleeping. C'est quand on sort, on revient à la réalité. C'est l'hiver. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même pas tant l'hiver. Là. C'est le printemps. Là. Ça n'a pas gelé. On est quand même pas si pire. Là. C'est juste qu'on est tellement bien le matin là, que c'est plus dur là, d'en revenir au froid. En tout cas, je me tarde à faire ça, là, mais éventuellement, je vais finir par le faire. Fait que... Je pense que va falloir que je fasse le move. Bon, ben à cette heure que le feu il est vraiment bien parti, c'est l'heure de la récolte de l'eau. Méchant cool spot, de même, là, sur le bord de la rivière.
Bon, ben ce qu'on mange un matin, vu que la température le permet, on va se faire au début rôtir des petits morceaux de patates. Après ça, vers la fin, on va mettre des oignons. On assaisonne ça, poivre, sel. J'ai une petite omelette aussi que je vais rajouter là-dedans un petit peu plus tard. Finir ça avec du bacon pré-cuit que j'ai fait maison. Fait que ça va être un petit classique là, du printemps, genre style cabane à sucre. Fait que là, j'ai rajouté mon petit accessoire pour faire rôtir mes trucs. Je vais mettre tout de suite de l'huile dans ma poêlonne. Pour pas que ça colle, parce que du titane, c'est pas du teflon. Si on veut pas que ça prenne un an, les morceaux, on les fait petits. Bon, ben en attendant que mon eau bouille, pour faire une autre tisane, mon classique pour ce camping site, on va goûter à ça, ce petit repas-là. Au chaud, on va se faire. Ouais. Ça fait une omelette qui a pas trop d'œufs dedans, là. C'est, ça fait rien que rajouter un peu de protéines. C'est pour une affaire qu'on se fait là, en camping. Là. Ça a bien de l'allure. Bon, ben j'ai tout ramassé. Le feu il est éteint. Le sac est pacté.
J'ai été porter mon traîneau un petit peu plus loin, juste pour être sûr que je suis capable de me rendre tant qu'il verse sur le côté avant que j'arrive dans le trail. Et voilà, c'est le titre que j'ai campé. Au mois de mars, on est quand même bien. Justement, quand on fait du camping d'hiver, là, on n'est pas obligé de se mettre dans le caca. Là, on peut se les choisir, nos journées. Puis là, comme c'est là, une journée à 5 degrés le jour, puis à 0 la nuit, ça, c'est parfait, parfait pour le camping d'hiver. On n'est pas obligé de souffrir là-dedans. Fait que ben moi, là-dessus, je vais vous dire à la prochaine, puis profitez du printemps. Il y a encore des belles randonnées à venir avant que la boîte commence. Ça fait que passez une belle journée.